Votée en 2017, la stratégie énergétique 2050 implique que les compteurs d'ancienne génération soient remplacés par des compteurs intelligents. Mais que deviennent les anciens compteurs? Sont-ils recyclés? Une fois remplacés par des agents techniques, les anciens compteurs sont d'abord transportés jusqu'à des centres de tri. Sur place, les compteurs sont d'abord triés. Dans le cas de compteurs électroniques, ceux-ci sont détruits et les matières qui les composent sont triées. Pour leur part, les compteurs mécaniques sont envoyés dans des ateliers protégés pour être démontés afin de récupérer les matières recyclables. Plusieurs éléments sont ainsi recyclés, parmi lesquels du mercure, du cuivre, de l'aluminium, de la ferraille, mais aussi des cartes électroniques et des petits transformateurs. En moyenne, entre 80 et 90% des compteurs sont ainsi recyclés. Pour aller plus loin, la recherche continue pour augmenter le taux de recyclage, notamment certains types de plastique, mais aussi à travers la revalorisation et la traçabilité des matières.